Merci. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Dimanche dernier, 1 million de personnes de tous âges, de toutes opinions, de toutes confessions ont défilé dans une ambiance bon enfant. S'il vous plaît. Et non pas 340 000 comme vous le prétendez pour minimiser l'ampleur de la mobilisation afin de défendre l'institution du mariage que vous attaquez. Face à la clameur qui monte des tréfonds du pays, vous avez déjà commencé à reculer en retirant l'amendement du groupe socialiste pour étendre la procréation médicale assistée aux couples de même sexe. Mais nous l'avons bien compris, ce recul n'est que tactique, puisqu'une loi sur la famille a d'ores et déjà été annoncée pour le mois de mars, comprenant cette disposition. Alors, qu'on ne nous prenne pas pour des idiots. Votre objectif à terme est bien le démantèlement de tous les fondamentaux de la famille. Je m'adresse à nos collègues de la majorité. Comment pouvez-vous avoir comme maître à penser M. Pierre Berger, qui déclarait, je cite, « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour aller à l'usine, quelle différence !» En tant que femme, en tant que mère de famille, je suis profondément choquée par une telle conception qui mène tout droit à la gestation pour autrui et à la marchandisation des corps. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous lance un appel à la raison. Quand annoncerez-vous le retrait définitif de cette mesure qui clive les Français et qui serait la reconnaissance d'un droit à l'enfant, alors que seul doit compter le droit de l'enfant? Je vous remercie. Merci, madame. La parole est à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, la députée, oui, nous avons vu que l'UMP en est à préempter une manifestation dont les porte-paroles passent leur temps à dire que c'est un mouvement apolitique et aconfessionnel. Le gouvernement a le respect des Français qui s'interrogent sur une réforme de fond. C'est effectivement une réforme de fond, une grande et belle réforme pour l'égalité des droits, une belle et grande réforme qui a le souci de protéger les enfants qui sont aujourd'hui dans un statut juridique extrêmement précaire. Nous avons entendu des interrogations que vous avez d'ailleurs assez largement contribué à propager, selon lesquelles les mots de père et mère disparaîtraient du code civil. Je réaffirme ici solennellement que les mots de père et mère ne disparaîtront pas de notre code civil. Et sachez bien, madame, que vous n'avez pas, ni vous ni votre groupe, le monopole de la préoccupation, des inquiétudes des Français, des interrogations qu'ils se posent sur la famille et sur l'organisation de la famille. Mais les Français savent aussi que les familles sont variées, qu'elles sont diverses. Les Français voient aussi autour d'eux des familles qui ne correspondent pas au schéma idyllique que vous prétendez afficher. Les Français ont le plus grand respect pour toutes les formes de famille. Donc nous répondons à leurs préoccupations. Non, les mots de père et mère ne disparaîtront pas du code civil. Non, le livret de famille des personnes des hétérosexuelles ne changera pas. Et nous vous disons à l'UMP, madame, qu'il y a la commission des lois cet après-midi. Venez donc participer aux travaux, même si vous n'en êtes pas membre. Le règlement vous fait droit de participer aux travaux de la commission, madame. Vous avez préféré bouder les débats avec les auditions organisées par le rapporteur. Rattrapez-vous, madame, et dites la vérité aux Français. Dites aux Français que nous faisons progresser la société avec l'égalité des droits. Et je vous dis une chose, ceux qui sincèrement s'interrogent feront tomber leur dernière réticence, finalement, c'est l'affection qui l'emportera. Et à force de voir autour d'eux des familles homoparentales qui élèvent leurs enfants dans l'amour, Merci, ils comprendront madame. Que l'égalité des droits...